Allez, aujourd'hui, deux fascicules de notre petite mairie là, de chez Citroën. Une petite voiture, mais qui va être sympa, je pense, à la fin. Hein. Ce sera bien sympa. C'est chez la 8e, hein, c'est toujours pareil, de chez le tailleur. Deux fascicules, le 29 et le 30. Voilà, on regarde un petit peu hein, ce qu'il y a dedans. Dans les fascicules, bon, mais c'est toujours pareil, hein, toujours dans les... on a la Citroën Visa, ici, première page, toujours pareil sur la Citroën Visa, la Méhari, la plus voyageuse, ouais. Ça on peut le voir. Alors, 1959, la gamme des DS s'agrandit. Voilà. Après, ça s'est servi aussi d'ambulance. Hein, ça, et, on peut voir dans, aussi d'un banzai. Ça d'ambulance. Voilà. Une grande capacité de charge, ouais. Voilà, toujours pareil, 1959. Là, on arrive sur la Citroën C3, 1,6 litre de 2009. La cylindrée, oui, mais oui. Cylindrée de 1598 cm3. Et là, on arrive sur nos pièces, donc les crochets et supports latéraux des bras de suspension. Alors là, faire bien attention, il y a le 29A, il a un petit biais comme ça, le 29C comme ça. Enfin, ils ont tous un petit biais, sauf ces deux pièces, c'est les mêmes. Donc voilà, bien faire attention à ça. Moi, je les ai répertoriés sur mon plan de travail. Comme ça je sais j'ai mis A B C D parce que sinon c'est pas pratique hein. Voilà bon le pas à pas le résultat final donc on passe au 30 le 30 Citroën Cactus M Concept. C'est pareil. Ressemblance suspecte. Oui, c'était laquelle, celle-là d'ailleurs. Moi, je me rappelle pas. J'en ai déjà vu comme ça en réalité, mais. Mais bon, ouais. Voilà, là ça continue un petit peu les reportages, 1959, la DS gagne à Monte Carlo. Ça ne doit pas être facile de piloter quand même sur les routes. Ouais. Bon, on est en 59, hein. Là on arrive Citroën, alors la AX14. TRS de 1986. Alors là, on arrive sur les pièces. Plaque de protection de l'arbre de transmission gauche. Et il y a. Il y a aussi. Le A, c'est un support arrière gauche de l'armature tubulaire. Cette pièce-ci et on a de la VCM et GM. Voilà, on a le pas à pas. Voilà, et puis c'est tout pour ce numéro. On récupère notre châssis. Notre châssis, on va travailler en premier. Alors, ici. Voilà. De ce côté-ci, là où c'est fermé, voilà, c'est sur l'avant, oui, c'est sur l'avant.
sur l'avant avant gauche, et on va y mettre la 29A, c'est-à-dire celle-là. Celle-là, et elle va être se positionner. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas celle-là. Voilà. Parce que ça ne se suit pas. Donc, du coup, il faut que je renlève. Donc, il y a une erreur. De toute manière, si celle-là, elle vient ici, c'est pas terrible. Si nous mettons de la colle, ça m'étonnerait. Si on a mis celle-là de ce côté, on met l'autre de l'autre côté. Hein. Pas besoin là de... Voilà, ça tient, mais bon. Ensuite, ils nous disent de mettre. Alors, de mettre. Je crois que c'est ici. C'est ici. On va y mettre une pièce comme ça. Noir sur noir. Voilà, ils ont pas fait de. Ça vient là apparemment. Moi je mettrais ça vers l'arrière, je vois ça comme ça, mais moi je l'ai mis comme ça. Donc le creux vers le haut, c'est peut-être le creux vers le bas, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire. C'est noir sur noir, il n'y a même pas de grosses explications. Donc si on met celui-là là, et bien on met l'autre en face, hein, pareil. Donc que je mette à peu près dans le même sens aussi quand même. Moi je pense, je pencherai pour que ça soit de l'autre côté, mais écoutez, je ne suis pas sûr. Et pour finir ce numéro, on a à l'arrière, voilà, on a à l'arrière ces deux plaques. Donc du coup, mais il faut que ça suive le châssis. Si ça suit le châssis, c'est que c'est dans le bon sens. Hein. Voilà. Moi, là déjà, je vais trier. Là, ça suit le châssis et ça tient bien. Ouais, ça va passer à la colle à 5, quoi. Bon, là j'ai tout collé. J'ai collé là-dedans. Ça tenait pas. Déjà. Je pense que je collerai là derrière aussi, mais pour le moment ça tient. Et là je les ai retournés parce que si c'est les supports d'amortisseur, peut-être ça vient ici, commence à taper comme ça, mais bon, je suis pas sûr. Donc. Ça pour ces deux pièces là, je suis pas sûr. Ça, y a pas, c'est pas bien expliqué. Donc voilà, ça c'était pour le numéro 29. Donc pour ce numéro 30, on va travailler que sur la partie gauche, de notre voiture. De notre châssis. Donc la partie gauche, elle est là. Ben voilà, ouais, ça ne tiendra pas. Je vais y mettre un coup de colle de partout. On va travailler ici pour le moment avec cette pièce là qu'on vient mettre ici, positionner ici. Voilà. Oui, non. Non, pas dans ce sens. Donc, plutôt ce sens. Hein.
ça vers l'avant et le petit truc plus fin vers l'arrière, direction de l'arrière, et on va y mettre deux vis GM. Voilà, et en restant sur la gauche du châssis, et ce coup-ci on va sur l'arrière, donc en restant à gauche du châssis, on a cette barre qui est en métal, qui faut qu'il soit pris. Qu'il soit pris par en dessous. Voilà. Et là, sur lequel celui du milieu. Je pense que c'est sur celui du milieu. Et on va y mettre une vis CM. Alors là, on passe la vis dans le plus gros trou. Hein. Et on vient la positionner ici. La fixer ici sur le trou du milieu. Voilà. Donc sur le trou du milieu, normalement. Ouais. C'est sur le trou du milieu. C'est bien sur le trou du milieu. Voilà. Bon, mais voilà, et c'est tout pour ces deux numéros. Attendant l'autre côté. J'aurais dû attendre d'avoir l'autre côté pour faire tout ensemble. C'est-à-dire l'autre côté comme ça qui va arriver sûrement dans le prochain numéro. Ça aussi. Mais voilà. Moi, je vais tout reprendre ces trucs là, ces petits machins là, tous les passer à la colle, parce que ça tient pas, ça je les colle pas pour le moment, parce que c'est tellement bien expliqué que je ne sais pas si ça vient vers en bas, vers en... Normalement, à mon avis, ça vient dessous, mais bon, l'ouverture vient dessous, mais bon. Voilà, mais c'est tout pour ces deux numéros. Merci d'avoir suivi la vidéo. Hein. Puis je vous donne rendez-vous plus tard, hein, dans les prochaines vidéos. Pour le montage de la Bugatti, de la Méhari ou autre chose. Hein, notre montage. Et bon, bien sûr, sur aussi la Bugatti, les montagnes, la WRC 64, WRC, Starkey Hutch et tout ça. Voilà. Le Robocop. Non, ouais. Déjà pas mal, ça fait déjà pas mal. Surtout que moi je suis pas rémunéré, donc voilà, je me paye à tout, mais bon, c'est des petites maquettes qui me plaisent bien. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai faites, hein, malgré que je fais autre chose à côté. Hein, voilà. Mais ça me plaît, et puis voilà. Voilà, en attendant, eh bien, portez-vous bien et allez, salut !